Ce soir c'est string time, je vous sauterai bien toutes comme on balance un freestyle. De la jeune fashion, imitation Britney, comme la vieille encore bonne que son mari ne veut plus piner. Ce soir c'est hot et je raconte n'importe quoi. Je suis en chien, j'ai la dalle et je baiserai n'importe quoi. Parce que je veux faire comme ils montrent à la télé. Je veux une chienne, une salope, une putain délurée. Comme dans cette émission où elle joue les tentatrices, où elle disent vouloir jouir par tous les orifices. Et je m'en fous que ce ne soit pas la réalité. Je ne crois que ce que je vois, surtout ce que je vois à la TV. S'il le faut, je me paierai même une prostituée. Et si je n'ai pas les moyens, alors je me mettrai à violer. J'irai chercher la fraîcheur à la sortie des lycées. J'ai lu dans un journal que les ados aiment sucer. Je veux en baiser des centaines comme mon rappeur préféré. Faire comme dans ses clips avec plein de fringues et plein de fric. Fourrer toute la journée dans les mains plein de flingues et plein de spliff. Je ferai tourner ma meuf à mes potes normal, on partage tout. Elle prendra du GHB et ne se rappellera de rien du tout. Ils en ont parlé sur TF1, pareil c'est miraculeux. Avec ça, enfin je vais réussir à l'enculer. Y'a un mec sur le net qui dit l'avoir déjà fait. Et qui dit aussi ne s'être jamais fait choper. Ça a quand même l'air terrible, je crois bien que je vais essayer. Écoutez ces propos à haute teneur misogyne. Saurez-vous discerner le premier degré du second? Est-ce le procès des machos ou des bouffeuses de pin? À votre place, je me dirais, il se fout de nous ce con. Écoutez ces propos à haute teneur misogyne. Saurez-vous discerner le premier degré du second? Est-ce le procès des machos ou des bouffeuses de pin? À votre place, je me dirais, il se fout de nous ce con. Je dois vous dire qu'avec ma copine, je m'ennuie, je préfère les films où elles sont toutes nues. Je lui dis regarde, regarde tout ce qu'on pourrait faire, mais elle accepte uniquement que je la prenne en missionnaire. En plus elle se plaint que ça ne dure que 5 minutes. Quand j'ai joui, je ressors, elle ne comprend pas cette pute. De toute façon je crois que je vais bientôt la quitter. Je suis tombé sur la seule qui n'était pas excitée. Quand je vois que partout il n'y a plus que des ninfos, télé, radio, journaux et même bientôt aux infos. Et vas-y que je t'aguiche, vas-y que je suis toute jeune, vas-y que j'ai un copain mais on dit que je suis toute seule. Ah je vous jure vraiment, oui elles sont toutes les mêmes, mais moi je sais ce qui réellement les mène. L'argent et la bite, elles te bombent de sans pitié. Et puis elles se cassent une fois qu'elles t'ont tout piqué. Combien de potes j'ai vu se foutre en l'air pour une pétasse. Des femmes qui jouent avec eux comme un objet qu'on déplace. L'émancipation de la femme nous a fait beaucoup de mal. Donc ça fait plaisir d'en voir une soumise à beaucoup de mal. Se faire remettre les idées en place dans la chaleur d'une cave. Elles en veulent, on leur donne et après on dit que c'est grave. Mais quand vous dites non, au fond vous pensez oui. J'ai vérifié et franchement c'est pas des conneries. L'égalité des sexes, vous la voulez très bien. Alors ne pleurez pas si nous nous conduisons comme des chiens. Écoutez ces propos à haute teneur misogyne. Saurez-vous discerner le premier degré du second? Est-ce le procès des machos ou des bouffeuses de pin? À votre place, je me dirais, il se fout de nous ce con. Écoutez ces propos à haute teneur misogyne. Saurez-vous discerner le premier degré du second? Est-ce le procès des machos ou des bouffeuses de pin? À votre place,